Nikolaï Kozatchek, affilié au renseignement d'État russe, est accusé d'avoir pénétré les systèmes d'un groupe de réflexion de l'OTAN en Allemagne. Les autorités allemandes ont accusé Nikolaï Kozatchek, un officier de l'agence fédérale russe GRU, d'avoir piraté un groupe de réflexion de l'OTAN en Allemagne, le Joint Air Power Competence Center. L'attaque a eu lieu en avril 2017. Le pirate accusé a installé un logiciel malveillant enregistreur de frappe sur les ordinateurs cibles. Le piratage a permis aux hackers d'accéder à des informations internes de l'OTAN. Le pirate a compromis au moins deux systèmes et a eu accès à des informations internes de l'OTAN, mais pour l'instant, l'ampleur de l'attaque n'est pas claire. Kozatchek est également recherché par le FBI pour son rôle présumé dans l'ingérence dans les élections présidentielles américaines de 2016. Lui et 11 autres responsables du GRU sont recherchés pour avoir piraté le Parti démocrate, ce qui a sans doute affecté le résultat de l'élection. Les autorités allemandes pensent qu'il est membre d'un groupe de pirates informatiques parrainé par l'État russe, FenCyber, également connu sous le nom de APT-28. Ce groupe est associé à l'agence fédérale russe GRU. C'est le même groupe qui a piraté le Bundestag allemand en 2015. La police allemande recherche maintenant Kozatchek, ainsi qu'un autre hacker russe, Dimitri Badin, qui est responsable du hack du Bundestag.